Hello les gens, c'est RNP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Vilicaires et Publica sur la Universalis 4. Une série dans laquelle on est toujours en guerre contre la Transaxiane et ses potes dans toute la région en fait. Hein. Mais où ça se passe bien quoi, il n'y a vraiment pas de soucis. On est en train d'assiéger plusieurs forts et en même temps on gagne la plupart des batailles dans cette région là. Ce qui devrait être encore le cas ici, assez tranquille, voilà, un stack wipe de plus. On va aller sur Samarcande avec nos alliés, enfin, nos vassaux suédois. Il y a du monde qui va venir s'ajouter à tout ça, hein, quand même, à Samarcande. Bon, il y a nous et la Suède. La Suède a du monde aussi. Vous allez partir le 24, le 21 septembre, donc vous allez après, en fait on va se retrouver que contre ceux-là en fait, ça va en fait. Parce que vous passez ici, vous allez mettre un petit moment avant de revenir. Je pense qu'avec les Suédois ça suffit. Ça reste ballsy cela dit, c'est embêtant quand même de perdre une bataille, parce que surtout, hein, au-delà du perdre du score de guerre ou des hommes ou peu importe, je pense que même si on perd la bataille, on perdra moins d'hommes qu'eux. Au-delà de ça, il y a tout le côté de plus être en position après. Toi tu vas dans cette direction là, d'accord. Toi, va quand même par ici pour le moment, parce que toi t'as l'air... Ah non, viens là. Ok, okay. Prendre une doctrine, admin, je pense que clairement il n'y a aucune raison de pas le faire. Conseiller disponible, c'est toujours intéressant sans plus, mais ça va être bien quand même. Coup des tech admin et puis ça, nombre d'états plus 5, ça sera cool aussi. Puis après, je sais pas, les politiques qui seront liées à ça, on verra, ça peut être assez intéressant. Financièrement, on est sain, même passablement sain. Il serait certainement intéressant de faire quelques unis, on n'en a pas des masses, et la prochaine institution, c'est les Lumières. Donc allons-y, utilisons notre argent en université, c'est le moment, on est en plein dans une guerre. C'est exactement ce qu'on veut quand on est le pouvoir central, c'est qu'il y ait plus d'universités pendant nos guerres. Oh là là, il y a tout un... Il y a les deux stacks qui vont venir, je pense qu'en plus c'est une province qui est très très négative pour nous. Ouais, il y a tout le monde qui va nous venir dessus. C'est la merde ça. On va perdre ce siège. Ah, relou. Je trouve que ça fait des plombes qu'on est dessus. Hein. On dirait pas, mais ça fait des plombes qu'on est dessus. On va se remettre à Delhi pour ça. Et puis là, bah, on va faire front, quoi. Ah, on peut faire front tout ce qu'on veut, hein, ça va pas passer, évidemment. Les rebelles sont parvenus à leur fin, tout ça. Mission d'exploration achevée, fin du siège de Samarcande, ok. Vous allez... mettons ici. Et du coup, vous allez... Alors, vous allez rester là. Comme ça, on va venir avec deux stacks ici. Vous, toi, tu vas aller faire ça. Tu peux pas faire grand-chose de plus ici. Bon, dis-moi ce que tu peux faire, et puis on va aller faire les autres. Les autres, ouais, va faire mer de Chine, méridionale, je ne sais quoi. Si tu veux. Ici, on s'est occupé de ça. On va aller dans cette direction-là pour s'occuper des rebelles maintenant. Et puis vous allez venir ici, pourquoi pas sur Kiva. Toi on a dit tu vas... Alors, toi tu vas où on a dit? Ok, ici. Donc toi tu vas aller là. Là on va dire. Ça va pas besoin de se croiser. Comme ça, parfait. Et c'est bon. Ok, vous êtes parti. Et puis ici, on va prendre le Sistan. Je vais pas regarder, hein, y a peut-être déjà des gens qui seraient d'accord de partir. Delhi non, mais Sistan peut-être. Faut aussi considérer tous les stack wipes pour leur ami. Vous allez partir quand vous? Vous allez partir le 5 décembre. Vous allez arriver quand? Bien avant. C'est quoi comme province? Il n'y a pas d'avantage quelconque. On peut aider. On arrive le 5 décembre aussi. Ouais, on peut peut-être aider. À mon avis, c'est pas une bonne idée. On va pas aider, tant pis pour les Suédois. C'est un peu moche, mais enfin voilà. Du monde ici. Hein. Ok, ici, toujours à moins 14%.
Ok. 27, vous allez. Ça va pas bien se passer pour vous, hein, Deli. Surprend qu'il n'y ait que ça qui nous attaque. Il y a deux. C'est. Ça, c'est vraiment. Ça devrait pas être possible, ça. Hein. Ça devrait pas être possible. C'est quand même pas ultra compliqué, à mon avis, de programmer ça, non? Attendez-vous, quoi. Bon, vous me direz, au final, c'est typiquement un truc que le joueur peut faire sans faire gaffe, hein. Mais quand même, l'IA devrait pas. L'IA est déjà suffisamment pénalisée vis-à-vis du joueur sur plein de points, sans devoir, en plus, avoir ce genre de situation, quoi. Vous allez où, vous? Pas envie qu'il reprenne sa marquante. Même si sa marquante, on l'a vu à plus d'une reprise, est prise extrêmement vite, très très souvent. Ouais, bon bah ouais, évidemment quoi. Ok. Là, ça joue, on ira prendre Merve après, hein, mais il n'y a pas d'urgence de ce côté-là. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est quand même de reprendre ça. Puis d'empêcher Farce de partir de ce côté-là, pourquoi pas. Plus que d'aller, on est d'accord, s'occuper de ça. Eux peuvent aller là, puis aller s'occuper de Merve après. Allez récupérer ça déjà, pour commencer. Non, pour commencer, vous allez effectivement faire la chasse à ceux-là. Je pense que c'est plus urgent quand même. Un agent ottoman découvert. Ils ont quand même fait le siège de Samarque. Ok. Non mais vraiment encore? Ah bon, cette fois-ci, ils arrivent avec la totale. Par contre, ouais, ils arrivent avec la totale. On va rater ce siège encore une fois. Ah. Je peux pas faire de paix maintenant. Mais non, pas avant 48 jours. Bien relou quand même. Bien relou comme il faut. Va dans ce sens-là. Il y a quoi ici? 29K qui arrive. Ouais, pas de soucis. Ici, ils vous font un autre général. Hein. Le 3 de siège, il est où le 3 de siège? Il est là. Ah, c'est le 3 de siège qui faisait du siège ici qui arrivait pas à tenir. Eh ben. Ok, il nous faut un autre général ici. Il nous faut un autre général, il n'y a pas le choix quoi. Allez. Vraiment. Bon, il y a 5 de choc quoi, c'est déjà ça, franchement. Tellement le moment d'avoir 5 de choc si je peux me permettre. Allez, va choper ceux-là. Ici, bon, ça va bien se passer pour la première bataille. Malheureusement, on n'a pas pu finir notre siège avant, donc bon, on va pas finir ce siège, quoi. Non, on va pas finir ce siège non plus. Ça commence à me gonfler, hein. Je vais être honnête avec vous, ça commence vraiment à me saouler là. Parce que si c'est systématiquement à la fin du siège qu'on se fait agresser, là, ça se passe pas bien du tout pour nous. Mort de notre maître instructeur. C'était peut-être pas bien le moment, pour être honnête. Modification de la limite terrestre, on s'en moque un petit peu. Morale terrestre, mais pourquoi pas. Ouais, bon, pour le moment, on met nous le moral terrestre, ouais, c'est une bonne idée. C'est pas ça qui devrait aider là. J'espère juste qu'ils vont pas se faire renforcer. Ok, très bien. Voilà. Ici, explorer. Mer de Chine méridionale, pourquoi pas, on s'en moque. Là, on défonce cela là, c'est bien. Ici, on va défoncer tout ça, c'est cool. Merve a été abandonnée, c'est bien. Je t'ai envoyé où? Là-bas. C'est peut-être un peu loin quand même, c'est pas grave. Ici, maintenant, on est tranquille, il faut juste se rappeler de surveiller ça par contre, parce que j'ai pas envie de nouveau de faire un siège jusqu'à 60% et de pas y arriver. Ok, on a tué cela là, tu vas chercher ça maintenant. Et ici, on s'en sort sans trop de soucis. Encore une petite bataille. Pas de stack wipe, cela dit.
Voilà, puis on va aller chercher ça, quoi. Again. Enfin, pas avec toi, en fait. Toi, t'es vraiment pas le général pour ça, en fait. On va remettre... Non, on peut pas, en fait. On va aller à merde. Puis on verra. Ok. Ah, ça tombe bien. Bah, ça tombe bien. Voilà, tant mieux. J'ai absolument personne dans la région. Bah, voilà. Bah, voilà. J'ai pas grand chose à dire, quoi. Je peux pas m'occuper de ces rebelles. Je peux refaire comme la dernière fois, rebouger ceux-là, là, mais bon. Vu ce que ça a fait la dernière fois, on va éviter. Merve, c'est quoi? Ben, je peux pas non plus ici. Quand ceux-là seront arrivés, on pourra. On prend ça. Du coup. Je voulais voir si quelqu'un pouvait quand même sortir. Je pense à Sistan, par exemple. Non. 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 Et non. Ok. Bon, Delhi, ça devrait pas trop tarder. Je sais pas vous, où est-ce qu'ils en étaient. Delhi, c'est... Le truc, c'est que c'est pas tellement le problème principal. Le problème principal pour nous, c'est presque farce, honnêtement. Qui a quand même plein de troupes, hein. On l'a vu avant, 60 000 troupes. Et puis qui a des forts de niveau 150. Donc c'est un petit peu embêtant. Ming nous a insulté, ok. J'ai pu regarder un petit peu ce qu'il nous disait, c'est dommage. Colonie autosuffisante, les rebelles sont parvenus à leur fin. Ouais, je pense qu'ils vont arriver à leur fin. Mes félicitations, hein, mais y a absolument, j'ai aucun moyen d'empêcher, donc voilà. Alors ça a été pris, très bien. On va juste récupérer ça et puis se diriger vers ici après. Ok. Ok, toi, tu vas revenir ici. Il faut quand même éviter qu'ils arrivent à faire sécession, les mecs. Ici, j'ose pas prendre le risque de les virer là. On a vu ce que ça donnait avant. Déjà là, j'ai un peu les jetons parce que ça prend des plombes et des plombes et des plombes. Mais que ça ne veut pas. Alors, notre vassal va se faire défoncer à Samarcande. Ouais, juste avant qu'il finisse le siège, parce que c'est à voir, c'est comme ça que ça marche maintenant. Alors, tu vas arriver le 25 juillet. Tu vas arriver quand, toi? Le 5 août. Bon, la plupart, le gros des troupes part en fait. Non, ils sont revenus. Ce qui veut dire que, ouais, pendant 10 jours, on va les engager en prenant plein de coups sur la tronche, c'est stupide. Ok. Ok. Alors. Toi, tu retournes là. Notre général de bataille. Alors les Suédois, on s'est défoncé. On va arriver quand nous? On arrive le 18 août. Toi, t'arriveras qui va le 21 août. Donc. Non, mais cela dit, bon, t'auras pas énormément de renforts. Nous, on pourrait en avoir. Ouais, je pense que c'est bien de faire comme ça. Comme ça, ça évite que les Suédois crèvent. Alors nous, ça va pas être simple comme bataille nécessairement. C'est pas très très grave. On va quand même continuer à aller dans cette direction-là parce que franchement. Faire un petit peu gaffe. Financièrement, ça devient la cata. Ah ouais, on n'a plus les réparations de guerre de Ming. Du coup, ça s'explique. Faut faire un peu gaffe. Je pense pas qu'annuler ça soit vraiment nécessaire pour le moment. On va peut-être prendre un emprunt. C'est embêtant, mais c'est un emprunt, j'entends. C'est pas grave, hein. On a actuellement 40 en renfort. On voit que sur les réserves militaires, ça commence à se voir. Eux, ça bouge plus parce qu'ils font plus que des mercenaires, en fait, pour être honnête. Donc, c'est sur leurs finances que ça va se voir à terme. Ouais, la bataille, là, elle va coûter cher. Et évidemment, compagnie de mercenaires acceptée. Très bien. Ok. Ici, toujours moins 21%, c'est bien. Puis ici, c'est quand même dur. Ok. Et en plus, on va se faire attaquer maintenant par ceux-là.
Ça devient difficile, hein. Ça devient difficile et problématique comme guerre, honnêtement. Delhi, du coup. Est-ce que j'ai besoin d'aller occuper votre capitale? Ouais. Ah, mais j'ai même pas 10% de score de guerre contre vous. Okay. Les autres, vous bougez pas, quoi. Ok. Ok, nice. Ouais, 8000 troupes maintenant. Waouh. Waouh. Oh là 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 là. Cette décimation. Du coup, on va arriver avec notre stack. Il va de nouveau être tout seul. Il va de nouveau se faire défoncer juste au moment où il va pouvoir prendre le siège. Et on a fini, les gens, de coloniser tout ça. C'est cool, ça. Ça, c'est vraiment cool. Et puis on est en train, par ça, hein, de manger la Mazovie et Kazakhstan, ça c'est bien. Stack wipe carrément, là. Cool. Mais bon, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse le plus. Pour le moment, on va quand même aller dans cette direction, histoire de vraiment... Ce qui nous intéresse maintenant, nous, c'est vraiment de... Ah, wait. Attendez. Les gars, attendez, restez là. Please, restez là. Ouais. On va aller s'occuper de cela là encore une fois. Tu bouges pas toi. Ok, très bien. On va aller chercher là. On ira s'occuper du gros stack après. Là, on va dans cette direction là. Parce qu'il faut quand même sortir quelqu'un de cette guerre. Un moment ou un autre, ce serait bien. Ici, on va aller aider avec ce stack après. Et là, allez à Delhi. Delhi, c'est un fortification de niveau 1. Donc ça, c'est l'avantage. Ça va aller très très vite. Ici, on va prendre... Ça va probablement faire assez mal. Bon, oui et non, en fait. Parce qu'ils n'ont pas de morale du tout. Ça, c'est bien. Nous, on doit avoir plein de morale maintenant qu'on a un nouveau conseiller. Qui donne du moral. En fait, on n'a pas fait de stack wipe. On va se faire attaquer ici par le reste de leur armée. D'accord. Les Mamelouks veulent passer. Passer. Mission d'exploration achevée. Ok, on continue avec, j'en sais rien, la mer de Chine méridionale, les côtes maintenant. Ok, de ce côté-là, on voit pas bien. Farce a conclu une alliance avec quelqu'un. On voit qu'ils perdent énormément plus de troupes que nous. Hein. C'est quand même assez violent. Ils ont beaucoup plus de monde. Ok, ici c'est bon, on va s'occuper des rebelles. Ici ils nous ont attaqué, ok. On va peut-être prendre l'attrition pour prendre de l'attrition en plus. Ici... Je sais pas si j'ai encore des troupes là-dedans, moi. Ça revient sans arrêt. On va perdre cette bataille, les gars. Oh, c'est fatigant, franchement. Fatigant. Allez, prends-moi ça, qu'on puisse au moins sortir quelqu'un, là. Et puis, bientôt, on perd quand même beaucoup de réserves militaires, aussi. On peut aller en rechercher par X et Y moyen, cela dit. C'est pas là. Hein. Là, on pourrait exiger plus de troupes. Coup de 15 de loyauté, c'est faisable. Voilà, 60 000 troupes en plus. Et on a un nouveau général. Il est un peu mieux. Hein. Malheureusement, lui est occupé pour le moment. Donc du coup, on en fait deux. Ouais, c'est un peu embêtant. C'est pas grave. Ok. Delhi, ça va bientôt être bon, a priori, honnêtement. Sistan aussi, je pense. Ça va faire du bien. Ok. On a hein, les nobles qui sont déloyaux, mais un tout petit peu, un tout petit moment, c'est pas grand chose. Succès de la conversion, très bien.
On voit qu'on est limite financièrement, mais encore une fois, je pense pas que ce soit ça qui pose vraiment problème. Faisons-en un pas trop cher, en attendant 28 mois, et puis ce sera comme ça de gagner. Il faut vraiment y arriver cette fois-ci. Hein. Il faut vraiment y arriver, les gens. Okay. Allez. Ah, mais tombe, c'est pas possible. Ok. Ici. Bon, ça, une fois qu'on sera arrivé là, on va s'occuper de ça. Eh non. Eh non. Eh non, les gens, ça va pas tomber. Eh non, c'est pas possible. C'est physiquement pas possible. Je pense. Je suis en train de me dire que c'est physiquement pas possible. Ah, mais il y a que ceux-là qui viennent. Ok, alors peut-être, du coup. Crise politique. Perte de l'instabilité, perte de 10 de tradition républicaine. Rebelles sont parvenus à leur fin, j'en doute pas. Delhi, malheureusement, on a une bataille en cours contre Delhi, donc ça va être compliqué d'aller chercher quoi que ce soit. J'ai Cyrine pour le moment. Et puis là, bon ben voilà, on se fait attaquer. Ceux-là vont venir aider. Il faut qu'on finisse cette bataille avant qu'ils arrivent, please. Please, please. Ouais, c'est bon. On va pas finir le siège avant, mais a priori, le siège devrait pouvoir se continuer. C'est vrai que chaque fois qu'il y a une bataille, hein, c'est juste, on perd, ils perdent un petit peu de. La garnison perd de taille. Quoi. On est moins que, en fait. On est quoi? On a que des canons, donc non, absolument pas. Reste avec nous, Mazovi. Reste. Idiot. Là, on est en train de s'occuper de ça. Très bien, c'est compliqué, mais ça passe. Ok, là, on a récupéré un petit peu des troupes, donc ils repartent. Ici, on tient le coup pour le moment, c'est compliqué, ça fait des morts et des morts, mais... Allez, là, on est à 78%, ça tombe. Please, ça tombe. Et non, c'est pas tombé. Ok, alors, on va voir si on peut sortir Delhi. Ça devrait être le cas, j'imagine. Non, Delhi. Ouais, on peut leur demander des war rep aussi, ça serait bien. Oui, on peut. En faire du bien celle-là. Éviter de prendre un emprunt, je pense. Et puis c'est tout. Vous retenez ça, la transoxiane. C'est assez mythique. C'est assez mythique. Comme ça, nous maintenant, on va pouvoir prendre ça, la transoxiane. puis c'est déjà ça de gagner. Hein. Donc toi, tu vas revenir ici. Parfait. Toi, t'es à 92%. C'est une vaste blague, si je puis me permettre. Ici, on est à 28%. Ici, on les a empêchés. On va, pour le moment, on va rester là. Il n'y a pas de souci. Toi, t'as tué tout ça, tu vas aller là, ici, et vous deux, vous allez ici et là, voilà, on récupère toute cette histoire. Parfait. De ce côté-là, on a ceux-là là, dont il faudra s'occuper. Ici, on est en train d'aller s'en occuper. Vous allez où, vous? Ok, donc on va aller à Home Icon, plutôt en premier. Et puis ben, on va s'arrêter là pour le moment. La prochaine fois, hein, maintenant qu'on a sorti Delhi, ça va être plus simple d'en sortir d'autres, clairement, parce qu'ils sont nettement moins forts. Ce qu'il nous faudra faire, sortir Sistan, hein, je pense que c'est assez... Ouais, il faut que ça tombe, 92% prochain tick, ça tombe. A priori, le tick devrait passer, parce que de nouveau, hein, ils ont fail misérablement plein de fois. Ils auraient dû nous empêcher de le faire. Ajams, ça va prendre un moment, mais là on est safe a priori, donc tranquille, on va pouvoir prendre ça une fois qu'on aura pris ça. Je pense même qu'une fois qu'on aura pris ça, on doit pouvoir sortir Ajams. On veut pas grand chose d'Ajams, on veut rien, on veut du pognon éventuellement, c'est tout. Donc au pire, si on l'a pas, c'est pas grave, puis après on pourra aller sortir Farce en prenant leur capital, et après on prendra de la Transoxiane, tout ce qu'on veut, hein, sans devoir s'en occuper trop violemment maintenant. Mais comme je disais, on verra tout ça au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye.